Alors Miller Tom a de nombreux supporters, de très nombreux supporters, mais le plus fervent des supporters, non, ce n'est pas Richard Powell, c'est son fils Charles qu'on a entendu hurler et qui est en train d'étrangler son père avec la cravate rouge, rouge comme bien sûr la toque de, Maggie Bryant. Alors, bah non, il n'a plus de voix. Bah oui, non, mais bon. Il commence à avoir un peu l'habitude, hein, c'est le problème. Hein. Ils prennent de mauvaises habitudes, ces enfants. Ah oui, habitués au succès, l'opulence, évidemment, Richard. Alors raconte-nous un peu. Il y a rien à raconter, on l'a vécu et. C'est un grand moment et. C'est juste magique, quoi. C'est. Il n'y a rien à dire, c'est un grand moment et. Tu y as cru après la dernière ligne, après la dernière ouais, quand l'autre a pris l'avantage. Tant que le poteau n'est pas passé, on peut rien croire, quoi. Je veux dire, Pindar avec Régis montait bien. Enfin, jusqu'à ce qu'il passe le poteau, on pouvait que imaginer, rêver. Et voilà. Est-ce que Maggie doit aller aux États-Unis là, pour aller aux États-Unis, en Virginie, chez elle? Tu l'as eu au téléphone ou tu vas l'avoir en quelques instants? Comment elle vit la course? Mon père l'avait au téléphone au direct parce qu'elle n'avait pas Al-Qaïdia là où elle était. Mais mon père l'avait en direct et bon, bah, tout le monde. Tout le monde était explosé de bonheur. On peut que exploser de bonheur dans ces moments-là. Et on peut le souhaiter qu'à tout le monde parce que c'est vraiment des moments inoubliables. Merci Richard. Merci Charles.